to your favorite modern world. I stood in this unsheltered place till I could see the face. Salut à tous les enrhumés. Peter Gabriel, Massive Attack, Iron Maiden possèdent au moins un point en commun. Vous allez tous les retrouver dans The Rainbow Tree, le nouvel album de reprise de Melanie et Martin. Je ne suis pas vraiment du genre à écouter des morceaux de seconde main. Je préfère les versions originales, même au cinéma. Mais j'ai une tendresse toute particulière pour ces deux Allemands, rencontrés lors de nombreux concerts et présents dans beaucoup de groupes que j'apprécie tout particulièrement, comme Frequency Drift ou Seven Steps to the Green Door. The Rainbow Tree propose 14 reprises acoustiques tirées aussi bien du répertoire folk que du métal. Il s'agit du quatrième disque du genre pour le duo, sans parler de leurs albums live et solo. Au fil des années, Melanie et Martin se sont entourés de plus en plus d'artistes et d'amis pour jouer sur leurs albums. Cette fois, ils sont à 5 avec autant d'invités, dont le célèbre Dave Meros de Spokesbird. Flûte, pipes, bouzouk, violoncelle, whistle, Baudram accompagne le quintet sur quelques titres, parant de couleurs inattendues certaines des reprises, notamment celle de Iron Maiden. Comme dans tous les albums du genre, certains titres me parlent plus que d'autres. Ici, ce sont Something Happened on the Way to Heaven de Phil Collins, Teardrop de Massive Attack, Secret World de Peter Gabriel et Blackest Eye de Sound of Music de Porcupine Tree. Mais tous ne se prêtent pas aussi bien à une transcription acoustique, notamment Alleviate de Les Prousses, que je n'aurais probablement pas reconnu à la première écoute. Mother sings a lullaby to a child. Sometime in the future, the boy goes wild. And all his nerves are feeling some kind of energy. Les bonus, au nombre de 12, téléchargeables format Wave, sont peut-être les plus intéressants au final. Des versions a cappella et instrumentales, comme le medley vocal absolument génial de Porcupine Tree ou le Neil Morse instrumental façon musique irlandaise. Avec The Rainbow Tree, le groupe dépasse le simple album de reprise acoustique pour réinventer des titres célèbres avec une grande richesse instrumentale et des idées souvent brillantes. Au-delà de l'adaptation de tubes, il y a un réel travail de composition réalisé par nos amis allemands. Lorsque j'ai ouvert le Digipack pour poser le CD sur la platine, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir une de mes photographies en noir et blanc réalisées pendant un de leurs concerts. Il y avait même mon nom dans les crédits. C'est vrai que je leur avais envoyé les clichés pour qu'ils puissent les utiliser. Mais si j'avais su, je me serais bien plus appliqué. Une raison supplémentaire pour que vous vous offriez cet album. Vous pourrez écouter 14 très belles reprises en admirant ma superbe photographie. Au passage, je préviens, je prends 10%. Mais au choix, contemplez plutôt la magnifique couverture réalisée par Annie Shewell Moe, cet arbre multicolore, The Rainbow Tree. Allez les découvrir sur Bandcamp et si vous habitez à proximité de l'Allemagne, allez les écouter en live à l'occasion. On passe toujours une belle soirée en leur compagnie. C'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à suivre ces chroniques en images. À lundi prochain. Bisous.